Le personnage de John McLoughlin est culte. Son interprète l'est tout autant. Malade et désormais grand absent du cinéma, Bruce Willis poursuit son combat contre l'aphasie. Mais la maladie semble gagner du terrain. Si est-il ce que confie une source proche de la famille ce mercredi 17 décembre 2022. Des propos rapportés par le média Radar Online. Avec sa retraite anticipée annoncée en mars 2022, Bruce Willis a surpris des millions de fans partout dans le monde. Alors quand la triste raison a été dévoilée, de nombreux cœurs ont été brisés. Atteint d'aphasie, l'acteur a été contraint de mettre un terme à sa carrière. L'aphasie est une lésion cérébrale, entraînant une perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit. Difficile, donc, d'apprendre un nouveau script ou de donner la réplique à des collègues. Un crève-cœur pour le célébrissime acteur de Die Hard. Heureusement, l'acteur peut compter sur un véritable clan à ses côtés. Sa famille, qui lui apporte un soutien et un amour sans faille. La femme de Bruce Willis s'est confiée sur leur quotidien avec la maladie, expliquant depuis son compte Instagram, « Mon chagrin peut être paralysant, mais j'apprends à vivre à ses côtés. » À l'occasion des fêtes de fin d'année, Bruce Willis s'est retranché comme chaque année dans l'Idaho, pour des vacances bien méritées. Autour de lui, sa famille recomposée. Ses filles, Rumour, Tallulah et Scout, qu'il a eu avec Demi Moore, puis Mabel et Evelyn, qu'il a eu avec son épouse Emma, ont bien sûr répondu à l'appel. Tout espère que les prochains jours seront meilleurs. De brefs aperçus de l'ancien Bruce d'après une source anonyme proche de la famille Willis, les capacités mentales de l'acteur de 67 ans continueraient de décliner. Il ne peut plus dire grand-chose et il ne semble pas comprendre grand-chose à ce que les autres lui disent, déplore-t-elle auprès du média Radar Online ce mercredi 17 décembre 2022. Sa famille sait qu'il ne sera pas toujours là, alors elle chérit chaque moment avec lui et prie pour un miracle de Noël, ajoute-t-elle. En octobre dernier déjà, sa femme partageait d'adorables moments en famille, pour immortaliser de précieux souvenirs. Dans cette épreuve, son épouse Emma peut compter sur le soutien de Demi Moore, l'ancienne compagne de l'acteur, elle a été en contact permanent avec Bruce et Emma. Elle profite de toutes les occasions possibles pour passer du temps avec lui. Si elle n'est pas à ses côtés, elle l'appelle au téléphone pour que Bruce puisse entendre sa voix. Les deux femmes de sa vie se sont rapprochées et font de leur mieux pour lui venir en aide au quotidien. Il y a des jours où elles ont des aperçus de l'ancien Bruce, indique toujours cette source, mais ils sont brefs et espacés. La famille de Bruce Willis plus soudée que jamais évidemment, l'ancien Bruce manque aux filles plus âgées, celui qui les taquinait sur leurs petits amis et leur donnait des conseils non sollicités. Cependant, hors de question d'accabler l'acteur ou de se perdre dans la tristesse, la famille compte vraiment vivre le moment présent, et si est-il ce qu'elle fait en le partageant sur les réseaux sociaux. Ainsi, ses filles Tallulah et Scout partagent régulièrement des moments en famille, pour le plus grand bonheur des internautes. S'ils sont plusieurs millions à prier pour le même miracle, alors il pourrait bien se produire.